Selon les informations de son ami intime, auquel, son ami auquel il regardait le foot, le match de Chili Gambie. Après l'explication de ce dernier, il paraît-il, bon, lui, il était, c'est un grand supporter de Chili. Chaque fois, quand Chili joue, il regarde. Maintenant, vers les 78e, 80 comme ça, ça restait 10 minutes de jeu. Lorsqu'on a gagné un pénalty, que tout le monde était content, donc lui aussi, il a sauté, dire que pénalty, pénalty. Une fois que l'arbitre a refusé le pénalty, il a refusé catégoriquement, il a dit maintenant, continuez. Ah, le mot là, on ne l'a pas appelé directement, il a piqué prise. Son ami était arrêté, selon ses explications, il lui a vu tomber. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a pris comme ça, il est venu m'aider. Il a pris, il a mis sous ses pieds, il l'a envoyé jusqu'à la base militaire. Après là-bas, c'est là-bas que les docteurs sont venus regarder. Ils l'ont informé que son ami a rendu l'âme. Ah, ah, alors, oui, bon, la suite. Donc c'est de là-bas qu'ils ont pris, ils l'ont envoyé, comment dire, à la mort de Yassidi. Moi, j'ai été informé à partir de 21h par son oncle, puisque je suis de la même mosquée que son oncle. Chaque fois, on se voyait à l'entente là-bas. Donc, il me dit, ah, monsieur Mansalim, venez, j'ai perdu mon oncle. Donc, le matin, bas, m'accompagne à la morgue, on va essayer de l'envoyer maintenant le corps à Kindia. Alors, revenez un peu sur les détails de la partie où il a vraiment piqué crise. Non, nous, jusqu'à présent, tout le monde sait qu'il est parti à cause de Chili. Chili National. Puisqu'il était un fan de Chili National, il regardait. Bon, l'émotion là, le Chili était battu. Depuis que tout le monde a créé maintenant pénalty, pour lui, vraiment, on allait égaliser. Bon, et l'entourneur, les joueurs, tout le monde frappait les mains, dit c'est pénalty. C'est en ce moment lui-même, il a crié. Lorsqu'il a vu maintenant l'arbitre dire que non, il a refusé de dire aux autres de continuer à jouer. Bah, lui, il était déçu. Donc, c'est là-bas qu'il a rendu. Qu'il a piqué directement, il est tombé. D'accord. Il est arrêté avec un de ses amis-là. Alors, au vu de tout ce qu'il a vécu, quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe? Tout ça, tout ce que moi j'ai à dire au gouvernement, de faire tout, parce que tout, chaque match de Chili, il faut qu'on perd une personnalité, une grande personnalité en tout cas. Allô? Chaque match de Chili que vous jouez, les gens perdent. Ils n'ont qu'à essayer de faire, créer des centres de formation ici pour former des enfants, pour sauver vraiment la population guinéenne. Ça ne va pas du tout au côté du football. Alors, dites-nous, quelle est la suite? Noumké sera enterré quand et où? Noumké, selon les informations reçues par ses parents, nous allons envoyer directement le corps à Kindia, à Taoubéa. Là-bas, bon, l'enterrement, c'est à 17h. Son état matrimonial, était-il marié? Oui, oui, il était marié de deux femmes, trois enfants. Selon l'information recueillie par ses parents, deux filles et un garçon. Merci monsieur. Rappelez-nous votre nom. C'est monsieur Mansalim Fabili Keta. Merci monsieur. À vous de même. Vous avez entendu, vous suivez, fidèles téléspectateurs, chers abonnés de la page de Gangan, l'atmosphère qui règne aujourd'hui dans la famille de Noumké qui a rendu l'âme par cette crise. Maman, salam alaykoum. On t'aura, on t'aura. On t'aura. Et nous, la banque, il fait la barre l'air. Parce que nous, S'il vous plaît. Excusez-moi un peu. S'il vous plaît. Oh, on te rend, c'est bien. Alors, il y a femme. Oh, ça va. Ah, elle s'est présentée. Ok.
Vous avez cette actualité, donc les premières images, ou en tout cas de la famille mortuaire de Noumké Camara qui a perdu la vie suite au match, à la défaite du Sili National. Vous avez compris dans quelles circonstances cette fin du sport guinéen a rendu l'âme. Vous suivez cette triste réalité en direct sur Gangan TV. Et vous avez vu déjà que beaucoup de personnes sont déjà parties de la morgue pour Kindia, où le monsieur sera donc enterré. Ici, c'est la consternation, la tristesse qui se lit sur tous les visages. Un homme marié et père de 3 enfants. Voici donc le reste des personnes qui sont là. Et il faut retenir que vous aurez droit aux images exclusives du cortège funèbre, en tout cas de l'ambulance qui transporte le corps, ainsi que l'ensemble des membres de la délégation. Ici, voici cette triste réalité.